Bon matin, bon midi ou bonne soirée. Bienvenue dans ce sixième cours, cette sixième classe de yoga d'initiation aux débutants. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, installé sur ton tapis. Et arriver ici maintenant dans ton corps, dans tes corps. De t'installer et d'observer avec quoi tu arrives aujourd'hui sur ton tapis. De dilater de plus en plus le corps, les endroits où ça semble tendu, où tu sembles observer une résistance. Laisse tout ça aller vers le sol. Amène ton attention sur ta respiration. Comment est-elle ce matin? Prends un instant pour connecter avec toi, t'observer, t'écouter profondément. Dédie toute ta présence en toi-même. Allonge de plus en plus l'inspire et l'expire, allant vers une respiration complète. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes qui s'ouvrent. Léger soulèvement des clavicules, expire, nombril vers la colonne vertébrale, tout l'air se relâche. Les côtes se ramènent, léger, descente des clavicules. Et aujourd'hui, sur un compte de 5, 5, 5, 5, 5, on va ajouter des rétentions. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Retiens le souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Retiens le souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Retiens le souffle. Expire. Retiens. Inspire. Quelquefois à ton rythme, continue. Doucement, reviens une respiration normale, sans forcer quoi que ce soit. Tu peux garder les yeux fermés pour faire les exercices des yeux. Monte, descend vers le bas, 5 fois. Les yeux montent et descendent encore 2 fois. Et puis sur les côtés. D'un côté, de l'autre côté. 5 fois. Puis en diagonale, en haut, en bas au côté opposé. Toujours avec les yeux fermés. Même chose de l'autre côté. Diagonale. 3. 2, 1, reviens les yeux au centre, toujours les paupières fermées, rotation 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Reviens au centre, inspire, soulève le menton, expire vers le sol 5 fois. Thank you.
côté 5 fois. Reviens. Relâche la nuque, rotation. Inspire lorsque tu remontes. Roule. Remonte de l'autre côté. Relâche les épaules, relâche la mâchoire. Dernière fois de chaque côté. Laisse la tête droite. Penche l'oreille droite en direction de l'épaule droite. Inspire, remonte, expire l'autre côté. Connecte avec les sensations de ton corps. Remonte. Inspire, soulève les bras vers le ciel, amène les mains sur les épaules, rotation. Trois fois d'un côté, trois fois de l'autre. Squeeze les épaules, inspire. Et relâche. Encore deux fois. Génial. À l'inspiration, soulève les bras vers le ciel et à l'expiration, au sol. Main devant, dans la posture sur les genoux, donc de la table. Engage les orteils pour aujourd'hui. Viens étirer cette partie des orteils. Inspire, creuse le dos, regarde loin. Expire, nombril vers la colonne vertébrale, relâche. Inspire, le dos se creuse. Expire, il s'arrondit. Inspire. Expire. Reviens neutre, même chose vers le côté, comme si l'épaule voulait aller rejoindre la hanche droite. Et reviens. Expire vers la gauche. Et reviens. Droite. Gauche. Dernière fois, droite. Gauche. Étire ici. Pousse le bassin vers le haut. Étire, étire, étire le dos. Et viens ici soulever. Comme si tu voulais déposer les genoux au sol, mais tu les gardes près du sol. Respire ici. Et à l'inspiration, regarde devant. À l'expiration, tiens tête en bas. Amène un talon vers le sol à la fois. À la prochaine inspiration, viens porter le pied droit derrière le talon gauche. Un petit peu plus loin que le talon, dépose au sol. Le genou gauche se plie, étire. Sens l'étirement de tout le côté droit. Reviens. Même chose de l'autre côté. Pied gauche, cette fois au sol, plie le genou droit. Continue de pousser dans les doigts qui sont très ouverts au tapis pour diffuser également le poids. Reviens. À partir d'ici, marche jusqu'entre les deux mains. Relâche le corps vers le sol. Viens chercher les mains au coude opposé. Relâche complètement la tête. Le poids est davantage sur l'avant des orteils. Respire. Sens la respiration au niveau de l'abdomen, sur les cuisses. Massage des organes internes. Et doucement, vertèbre par vertèbre, remonte. Remonte. Grande inspiration, les bras se soulèvent vers le ciel. Et ramène au cœur ici.
Inspire, expire, mets au cœur. Amène ton intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens chercher aujourd'hui? Ancre bien les pieds au sol, engage le plancher pelvien vers l'intérieur. Les abdominaux qui s'engagent, les épaules loin derrière. À l'inspiration, soulève les bras vers le ciel et vers l'arrière. Expiration à partir des hanches vers le sol. Inspire, jambe droite derrière. Retiens le souffle, planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, jambe droite devant. Expire, pied gauche se ramène, relâche. Inspire, all the way up. Ramène au cœur. Inspire, hop. Expire, plonge. Inspire, pied gauche derrière. Retiens le souffle, planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit se joint, relâche. Inspire. Ramène au cœur. Inspire. Expire vers le sol à partir des hanches. Inspire le pied gauche derrière, dépose le genou, regard loin. Planche. Expire genou, poitrine et menton au sol. Inspire dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite devant. Expire, jambe gauche relâche. Inspire. Et ramène au cœur. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, pied gauche derrière. Et planche. Expire, genoux, poitrine et menton. Inspire dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit devant. Et hop. Expire, ramène au cœur. Une fois de chaque côté, inspire. Expire, plonge. Inspire, pied droit derrière. Et planche. Expire, genoux, poitrine et menton. Inspire dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche devant. Et hop. Ramène au cœur. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, pied gauche derrière. Et planche. Expire, genoux, poitrine et menton. Inspire dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, deux pieds se joignent. Et hop. Ramène au cœur. Inspire, pied droit derrière. Guerrier 1. 5 respirations ici. Respiration complète. Les pieds poussent dans le sol, les hanches sont vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Prochaine expiration, la main droite s'en vient derrière, guerrier 2. Les hanches sont ouvertes sur le côté long du tapis, les bras parallèles au sol. Relâche les épaules. Deux respirations, le bassin est neutre. Inspiration, soulève. Les bras tend la jambe. Expire. Les bras parallèles au sol. Inspire, comme si quelqu'un tirait, t'emmenait avec lui vers la gauche et pivote. Hop. Expire. Prochaine inspire, ramène le bras devant, plie le genou, les deux mains au sol sur le bout des doigts, pivote le pied derrière et prends l'équilibre guerrier 3.
Tu peux venir chercher les blocs sans problème ici, pour te soutenir ou tout simplement amener les mains au niveau du cœur. Et à partir d'ici en équilibre, soulève et viens dans la posture de l'arbre, là où c'est possible. Là où c'est possible. Comme appris dans le cours de hier. Là où c'est possible. Et si ça va bien, essaie de fermer les yeux. Observe à quel point tu peux compter sur toi aujourd'hui. Ton point de concentration intérieur. Le centrage. Je prends ma place en moi-même, je compte sur moi. Expiration amène au cœur. Et reviens à l'avant du tapis. Inspire, expire ici. Prochaine inspiration, grand pas derrière avec la jambe gauche. Plie le genou devant, guerrier 1, Virabhadrasana 1. Les mains regardent en... le regard entre les mains, pardon. Regard. Les mains engagées, comme si tu soutenais quelque chose au bout des doigts, au bout des mains, tes bras engagés. Inspire. Prochaine expiration, main gauche vers l'arrière, guerrier 2. Attention aux genoux qui semblent vouloir aller vers l'intérieur. Inspire. Soulève les mains, tends la jambe devant. Expire, main parallèle au sol, inspire, pivote vers la droite, expire. La main gauche est au ciel. Ouvre l'épaule. Si c'est trop intense, dépose la main dans le dos, aucun problème. Doucement, inspire, amène les deux mains au sol, plie le genou. Sur le bout des doigts, les orteils derrière sont pivotés. Inspire, hop, guerrier 3. À ton rythme. En contrôle, inspire, posture de l'arbre. Là où c'est possible. Si ça va bien, ferme les yeux. Et reviens. Reviens au sol, mais au cœur, doucement. On pointe les orteils et on descend. Donc ici, je vais vous montrer une nouvelle posture, posture d'inversion. Donc ces postures d'inversion vont aller stimuler tout le fait de l'irrigation, le retour du sang vers le cœur. Donc ça va être vraiment super intéressant à aller explorer ici. Donc posture sur les épaules, Sarvangasana. Alors, on va se coucher au sol. Doucement. Donc, on se couche doucement au sol. Et à partir d'ici, les jambes sont collées entre elles. Engage les mains au tapis. À l'inspiration, soulève les orteils vers le ciel. Donc, les jambes collées entre elles. Inspire, hop. Expire vers le sol. Inspire, hop. Expire vers le sol. Inspire, hop. Expire vers le sol. Sans toucher le tapis, inspire. Relâche, inspire. Garde ici. Première variation. Ici, les jambes en l'air. C'est pas encore une inversion puisque le cœur n'est pas plus haut. Que la tête, mais ça se peut qu'aujourd'hui tu sois ici
et que ce soit ton maximum, avec le temps, tu vas pouvoir aller un peu plus loin dans la posture, mais pour l'instant, c'est très correct. Et tu peux aussi déposer les jambes au sol. Deuxième variation avancée. Inspire, soulève le bassin, viens porter les mains derrière. Donc, ça se peut qu'ici, au début, tu sois en angle de 45 degrés. Et avec le temps, engage les abdominaux, hop, posture sur les épaules. Si tu veux venir modifier la posture, emmène les genoux vers le front. Viens rapprocher les coudes entre eux. Redépose les mains un peu plus haut au niveau du dos et ramène. Donc, ça s'appelle posture sur les épaules parce qu'éventuellement, ce qu'on veut, c'est de venir sur les épaules. Comme ceci. Mais bon, une chose à la fois, on commence à tenir ici, c'est parfait. Donc, respire dans cette posture. Relaxe la gorge. Engage les abdominaux vers l'intérieur. Comme si tu poussais le bassin vers l'avant. Les pieds sont relax. Et en ce moment, tout le sang, le retour veineux s'en va au cœur. Lorsque ton cœur bat, beaucoup plus de sang est diffusé partout dans ton corps. L'oxygénation, l'irrigation, tout est optimal. Stimulation de la glande thyroïde et de tout ton système endocrinien également. Donc c'est super bon, même pour le rajeunissement du visage, paraît-il. Et doucement, ramène les genoux au front et sors de la posture, doucement. Dépose le cou, la tête, la nuque et fais de droite à gauche si besoin est pour stimuler, relaxer cette partie, cette région. Et doucement, allonge les jambes. Viens coller les jambes entre elles. Viens porter les mains en dessous du corps. Donc, on se dirige vers Matsyasana, posture du poisson. Inspire, comme si tu regardais les orteils. Maintenant, tu es sur tes avant-bras, sans bouger les coudes qui étaient vraiment entrés derrière le corps. On va porter le dessus de la tête au sol. On ouvre la poitrine, la cage thoracique, la gorge se libère. Révélation de soi, ouverture du cœur. Inspire, redépose la tête et ensuite enlève les bras de l'intérieur, en dessous de toi. Allonge les bras vers le ciel. Inspire. Sur une inspiration, soulève-toi assis avec les jambes longues de devant. Inspire, hop. Expiration vers Paschimottanasana, la pince. Relâche ici. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Viens porter les mains à l'arrière, sous les épaules, les doigts qui pointent vers les orteils. Inspire, pousse le bassin vers le haut, plan incliné. Hop! Et si c'est possible, viens porter les pieds au niveau du sol. Et reviens. Viens t'asseoir.
Donc aujourd'hui, une détente guidée avant le Shavasana. J'aimerais tout le monde ensemble qu'on fasse une expérimentation avec la lettre A 3 fois. Inspire profondément. Mets en Chin Mudra. Inspire. Inspire. Comment vous vous sentez? Lorsqu'on a le ha, c'est comme dans Hatha Yoga. Ha. Le ha vient ancrer. Le ha vient comme sceller. C'est vraiment un ha de l'action. Ta, c'est plus relax. Donc le ha. Aha. Ah. Donc, lorsque vous utilisez le ha, essayez d'observer dans votre quotidien qu'est-ce que vous êtes en train d'ancrer. Oh! Qu'est-ce que vous êtes en train d'ancrer? Donc, c'est intéressant à observer. Alors, doucement, je t'invite à t'installer en Shavasana. Et de te laisser porter par le prochain Yoga Nidra qui suivra. Ferme tes yeux. Doucement. Donc, je t'invite à prendre 3 grandes respirations profondes par le nez ou par la bouche, comme tu es le plus confortable de le faire. 3 inspires et 3 expires profondes. Et à mesure que tu prends ces respirations, je t'invite à entrer lentement dans un état de nidra. Un état où tu laisseras ton corps, ton mental et tout ce qui t'habite relâcher complètement. En continuant de te concentrer à inspirer, à expirer profondément, tu continues d'entendre ma voix et peut-être aussi des bruits à l'extérieur. Des bruits à l'extérieur de chez toi ou dans ta maison peut-être, ou peut-être même des bruits dans cet enregistrement sonore. Et tous ces bruits font partie de cette détente. Donc, chaque fois que tu entends un bruit, peu importe soit-il, tu continues de te détendre, de ressentir que ton corps se libère de ses tensions pour relaxer encore plus vers la surface sur laquelle tu es déposé. Et à partir de cette surface sur laquelle tu es confortablement déposé, tu ressens de plus en plus les points de contact de ton corps avec cette surface qui semble s'apaiser, se détendre, comme se libérer. Comme si toutes ces tensions et ces résistances fondaient un peu plus vers le sol et que tu n'avais simplement qu'à te laisser aller dans cette détente confortable qui te donne un sentiment de sécurité grandissant à l'intérieur de toi, un sentiment de sécurité et de confort. Et en continuant de plus en plus de te détendre et de respirer profondément, je t'invite dans cet espace à répéter 3 fois après moi cette phrase qui résonne, qui va résonner dans tout ton être, à partir du centre de ton corps jusqu'en périphérie de ce dernier et peut-être même au-delà. Répète 3 fois cette phrase à l'intérieur de toi, avec conviction. Je prends mon autonomie en toute sécurité.
aujourd'hui, je prends mon autonomie en toute sécurité. Aujourd'hui, j'incarne mon autonomie en toute sécurité. Et en laissant résonner ces mots à l'intérieur de tout ton corps qui se détend de plus en plus, tu le sens résonner dans chacune des parties de ton corps, comme si tout ton corps devenait par lui-même complètement autonome de se libérer de toutes ces résistances, de toutes ces tensions qui le laissaient peut-être plus dépendant de l'extérieur. Tu reprends ton pouvoir intérieur et tu le reprends à chaque fois que tu te permets de relâcher davantage le corps. Et à partir de ce relâchement du corps entier, tu sens la libération se faire également au niveau du mental, au niveau de tes émotions, au niveau de toute ta spiritualité qui t'habite. Tout ton être prend sa place, prend sa place, prend sa place de plus en plus en étant complètement autonome et en se sentant totalement sécuritaire, en totale sécurité, comme si tu te sentais très solide. Tu es solide en toi-même. Tu es solide en toi-même. Tu es solide en toi-même. Et tu le ressens dans chacune des cellules de ton corps, dans chacune des cellules de ta tête, toute ta tête. De plus en plus se libère, créant de l'espace pour accueillir cette nouvelle forme de solidité, d'affirmation de soi, de montrer ce vrai visage à partir de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et par ces mots, tu ressens que ton visage se lisse et se libère. Que ton visage se lisse et se libère, s'apaise complètement. Comme un fardeau qu'on enlève de sur les épaules, tu sens ton être prendre de la légèreté. Tu sens ton être s'apaiser, comme si tu venais de libérer quelque chose qui fait du bien, qui relâche. Et tu sens cette libération, ce relâchement, continuer son chemin à partir de la tête et tout le visage qui est maintenant apaisé et relax, jusque dans la nuque et de la nuque jusque dans la gorge. Tout le corps répond à cet état de liberté et d'autonomie que tu prends en charge présentement par le simple fait de prendre la décision de relâcher ton corps, de relaxer ton corps et de créer de l'espace pour accueillir cette nouvelle réalité qui t'habite en fait depuis toujours et qui demande simplement à prendre place, complètement dans chaque particule de ton être. Et à partir de ces particules, tu relâches davantage chacun des bras. Chacun de tes bras se relâche complètement. Chacun des bras se relâche. Et tu les ressens même s'illuminer, comme si tu incarnais de plus en plus ta lumière. Le fait de briller te donne confiance. Te donne confiance et te fait sentir en sécurité. Car tu peux compter sur cette lumière qui t'habite, sur cette lumière qui t'habite et qui brille à partir de chacune de tes cellules. Et à partir de chacune de tes cellules qui s'illuminent comme des étoiles dans un ciel, tu relâches davantage le dos et l'intérieur du corps et le devant du corps. Et par cette détente de tout le devant du corps, jusque dans ton dos. Tout l'intérieur du corps se libère également. Tout l'intérieur du corps se libère.
de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, tout le haut du corps est maintenant en harmonie avec le fait de prendre ta place, d'être autonome en toute sécurité. En toute sécurité. Et tu continues de détendre le corps entièrement en créant de l'espace du haut du corps jusque dans les hanches se libèrent. Les hanches se libèrent. Les hanches se libèrent. Et tu sens la respiration non loin des hanches, au niveau de l'abdomen, prendre de l'expansion. Le ventre se gonfle et se dégonfle, libérant tout attachement. Tout attachement. Et plus tu libères ces attachements, plus tu te sens confiant, car tu peux laisser place à ton centre qui sait déjà, à ton intérieur qui sait déjà, et cette sécurité qui t'habite et qui est solide en soi-même, et qui est solide en soi-même. Et par cette sécurité qui continue de prendre place dans chacune de tes cellules et de s'inscrire solidement à l'intérieur de toi et se révéler, te permet de détendre davantage les jambes, chacune des jambes se relâche. Chacune des jambes se relâche. Et chaque particule de ton être continue sa libération. Continue de se révéler et de briller complètement. De montrer son vrai visage jusqu'au bout des orteils. Ton corps se relâche. Ton corps se relâche. Tout le corps se relâche à partir du bout de tes orteils jusqu'au bout de ta tête. Tout le corps se libère. Tout le corps se libère de chaque tension. Se libère de chaque tension. Pour plus d'attention vers ton vrai visage, la vérité que tu portes et que tu révèles maintenant par le fait de montrer ton vrai visage avec confiance, autonomie et sécurité. Tu trouves de la joie, une joie sincère et grandissante par la sécurité que ton autonomie t'amène. Que ton autonomie t'amène. Et tu visualises par imagerie mentale ce chemin que tu es déjà en train d'emprunter, en fait. Et que le fait de t'accoter sur quelqu'un, quelque chose, n'était en fait qu'une illusion, puisque ce chemin, tu le marches déjà seul, en toute autonomie. Et tu te retournes pour observer tous tes pas que tu as faits pour arriver jusqu'ici, ton évolution grandiose, cette vérité qui se déploie dans ton chemin que tu visualises de couleur rouge, rouge comme le chakra de la base, rouge comme l'ancrage, comme les racines d'un arbre qui prennent forme jusqu'au centre de la terre. Et tu sens tes racines également se solidifier. Tes racines qui sont très fortes, très solides et très ancrées dans ce chemin qui est le tien et que toi seul peux emprunter par ton autonomie et ta confiance. Et ta confiance. Et tu te visualises marcher un pas à la fois. Un pas à la fois. Et tu prends le temps de te stabiliser entre chacun de ces pas. Et tu prends tout le temps nécessaire pour avancer sur ce chemin. Pour avancer sur ce chemin. Et tu sens autour de toi que ce chemin est en fait un chemin sacré sur lequel tu te permets d'évoluer. Un chemin sacré, comme si chaque pas emprunté t'amenait vers plus d'autonomie, vers plus de lumière. Tu t'incarnes encore plus dans ta vérité à chaque pas que tu oses faire par toi-même en toute sécurité sur ce chemin. Et non loin de là, apparaît quelqu'un et tu te sens confortable d'aller explorer le message qu'elle porte. C'est en fait une femme. Et plus tu t'approches, plus tu te rends compte que cette femme est en fait une version de toi-même, divine, qui sait déjà là où tu veux aller et de la manière dont tu dois
prendre ta place et montrer ton vrai visage. Et tu prends le temps d'observer cette partie de toi-même qui se présente devant toi en ce moment. Et tu te permets de libérer toutes les tensions, les émotions que cela te procure. Tu ressens une grande joie qui t'habite. Et tu es impressionné par la beauté qui émane de cet être qui est toi-même, en fait, qui est toi-même. Et tu te permets de lui poser une question. Tu te permets de lui poser une question qui te tient à cœur. Qui te tient à cœur, à cette partie divine et sacrée qui t'habite, mais qui aujourd'hui se présente devant toi pour t'appuyer dans cette transition grandiose de ton autonomie, de ta pleine capacité de prendre soin de toi par toi-même, dans tes choix, tes décisions. Dans ce coming out que tu fais présentement, c'est comme une révélation totale. Tu te sens entière, tu te sens complète. Prête à prendre ta place entièrement. Tu te sens solide comme le plus grand arbre au monde. Et à la fois, ta solidité est flexible et souple. De par sa lumière, sa bonté, sa bienveillance, doucement, peut-être que tu reçois présentement des images mentales ou un flash, ou peut-être rien pour l'instant, peut-être que cela va se révéler plus tard dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois. Mais tu reçois une réponse de cette partie de toi profonde et divine qui te répond sincèrement, sincèrement. Et doucement, tu la remercies et tu continues de prendre place dans ton chemin. Et ce chemin va te suivre tout au long de ton évolution. Ce chemin t'appartient et toi seul peux l'emprunter et sais comment l'emprunter. Tu as confiance en toi. Et en continuant d'avancer sur ce chemin, je t'invite à répéter intérieurement 3 fois cette phrase. De laisser aller cette partie de toi et maintenant tu te retrouves seul. Et seul en toi-même, je t'invite à répéter cette phrase. Je prends mon autonomie en toute sécurité. J'apprends à être autonome en toute sécurité. Je suis autonome en toute sécurité. Je suis complètement autonome lorsque je prends place en moi-même pour prendre mes décisions et avancer sur mon chemin de vie. Sur mon chemin de vie qui est le mien. Mon chemin. Je le choisis. Je le choisis. Je le choisis. Et doucement, je t'invite sur un compte de 3 à revenir à toi-même, à ton état de réveil initial. 1, 2, 3. Et de ressentir de plus en plus tes points de contact avec le sol. Ton corps qui commence doucement à bouger, peut-être que les yeux s'ouvrent tranquillement. Doucement, tu reviens de cette imagerie, de cet état confortable, et tu retrouves un peu plus ta vitalité, ton énergie. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.